Le projet de piscine intérieure est apparu dans les discussions au niveau de la région depuis 2008. Et aujourd'hui, on annonce qu'elle sera ici, dans le centre multifonctionnel de Beaupré. Le projet total devrait passer autour de 10 millions de dollars et on a l'appui de 89% de la population qui, suite à un sondage léger, vient nous conforter dans notre position et dans la décision d'aller de l'avant. Je tiens aussi à souligner qu'il y a eu un investissement de 8,8 millions de dollars au total, dont 5,8 qui vient du gouvernement du Québec et une portion qui vient, la différence qui vient du fonds éolien de la MRC, la Côte de Beaupré. 83% de la population de Saint-Anne-de-Beaupré adhère à ce projet-là, veulent avoir une piscine régionale, malgré que Saint-Anne-de-Beaupré a une moyenne d'âge qui est un peu plus élevée. Ces gens-là veulent vraiment avoir accès à une piscine régionale, puis c'est la raison pour laquelle on a accepté d'adhérer à ce projet-là. Saint-Joachim dit oui au projet pour plusieurs raisons. Première des raisons, c'est que la population désire avoir une piscine régionale depuis de nombreuses années. Deuxième raison, le conseil municipal aussi était en faveur de ce projet-là depuis plusieurs années également. C'est sûr qu'il y avait toujours question de coût. On a des capacités de payer qui sont différentes d'une municipalité à l'autre. Mais avec l'offre que la Ville de Beaupré nous a faite dans les dernières semaines, on ne pouvait pas refuser absolument pas là, d'aller de l'avant avec ce projet-là.